Au niveau de l'armée, le salaire maximal pour un général de brigade, conformément au décret 77/368 du 21 juillet 1917, est de 211 567 francs CFA. Peut-on, avec ce salaire, avoir des dizaines de villas, Pajero, taxi et autres foula-foula, entre intérêts de maîtresse? Pendant ce temps, le pauvre soldat de base, mal habillé, à peine équipé, n'a que ses yeux pour pleurer face à la cohorte des agents de la sécurité d'État roulant Merco et Bem et narguant toute la hiérarchie non membre du PCC. Même le soldat en faction de nuit autour du palais de Congrès n'a même pas le lit de camp pour la nuit. Que dire de la garde présidentielle et du corps des CRS au service du seul président, véritable armée dans l'armée? Que dire de la police nationale dont la seule mission semble être celle de rançonner les taximans et organiser des ristournes sous la direction du lieutenant-colonel Illo Bakima, ancien caporal à la musique, aujourd'hui commissaire central? Aujourd'hui, par exemple, sur 35 commandements, corps et attachés militaires confondus, 29 postes sont occupés par des ressortissants de la cuvette. Les 6 postes restants sont occupés respectivement par des ressortissants du Poule, trois postes, l'Alekoumou, un poste, le Pilou, un poste, l'Ikolé, un poste. Des 29 postes occupés par les ressortissants de la cuvette, 7 reviennent à des membres de la proche famille de M. Sassou Nguesso Déni. Que dire de M. Sassou Nguesso, ancien aspirant, officier de réserve, aujourd'hui général de l'armée, en ayant sauté pieds joints les grades de général de brigade, de général de division et de général de corps d'armée? Décidément, comme pour l'obumitrie, l'APN a besoin d'un sérieux nettoyage, d'une restructuration complète. Le pari, notre parti en appelle à la conférence nationale pour étudier l'éventualité d'un colloque à l'armée. En définitive, le système monopartiste depuis 1963 aura engendré le culte de la personnalité, l'écrasement des contre-pouvoirs, la militarisation et la tribalisation du pouvoir, le favoritisme, la politique des cousins, frères, neveux, beaux-frères, belles-sœurs, bref, la familiocratie, les assassinats et le pseudo-procès politique, le non-respect des règles constitutionnelles, nous battant le record d'assassinats de chefs d'État en Afrique centrale. La KBJ est la multiplication des privilèges des dignitaires, avantages matériels exorbitants, bières livrées aux tuyaux, trafic d'influence.